Au XIXe siècle, les nombreux chantiers d'églises entraînèrent un accroissement considérable du nombre de statues religieuses. Face à la demande, les sculpteurs ne suffirent plus. De nombreuses fabriques se consacrèrent alors à la production de statues en plâtre, faciles, rapides à produire et peu coûteuses. Elles étaient vendues sur catalogue ou écoulées en magasin, notamment ceux regroupés autour de l'église Saint-Sulpice à Paris, donnant ainsi naissance à l'expression « style Saint-Sulpice ». Les saints statufiés étaient multiples pour répondre à la ferveur populaire, mais la Vierge Marie fut la plus représentée. Le culte marial était en effet intense au milieu du XIXe siècle, amplifié par les apparitions de la Vierge rue du Bac à Paris, puis à Lourdes.